Albert Carmel, 68 ans, romancier à succès, mort par strangulation. D'étranges taches d'humidité ont été relevées sur et autour du corps. De la neige ? En tous les cas, c'est pas du sel. Bon, ramasse cette neige et fais-moi analyser tout ça. Ça fond dès qu'on touche ? Eh bien, la touche pas. Bien, chef. Bien. Je monte étudier ça au calme. Tu feras retirer le corps, j'en ai assez vu comme ça. Je ne suis plus très loin maintenant. Après tout, vous n'aurez que ce que vous méritez. Je vous serre la main une dernière fois. J.P. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Commissaire, on a enlevé le corps. Drôle de style quand même pour une lettre de menace. Bon, tu en prends une, tu me la fais expertiser et tu passes à la gendarmerie. Après ça, tu pourras aller dormir quelques heures. Ok, chef. Et vous ? Moi, je vais rester ici. Juillet, cher ami, je me réjouis de rencontrer l'homme qui a créé toutes ces six merveilleuses intrigues, même si je me demande parfois comment un esprit sain a su produire de tels monstres. J'espère de tout cœur pouvoir bientôt boire une tasse de thé en votre compagnie. Je sais que vous êtes grand amateur de ce délicat breuvage et échanger peut-être quelques idées. Je vous serre la main. J.P. 1er août. Arriverai plus tôt que prévu. Vous verrez comme cette fin d'été me va bien. Je vous serre la main. J.P. Je vous serre la main. Grand amateur. C'est pas ça qu'il disait, le timbré qui vous serre bien la main. Grand amateur de ce délicat breuvage. Grand amateur de JP. Premier mai, fête du travail. À propos, pour qui écrit-on son journal ? Pourquoi l'écrire ? 15 mai, me voici sur le chemin des glaces. 12 août. À 20 ans, je me suis méprisé d'être paresseux, mais j'ai serré les poings. À 30 ans, j'apprenais mon métier en attendant mon heure, et je serrais les poings.
À 50 ans, j'ai vendu des livres et connu le succès parce que j'avais du métier. Mais j'ai vu que pour beaucoup de ces choses qu'on appelle la vie, l'heure était passée. J'ai oublié de serrer les poings parce que j'étais riche. J'ai 68 ans, du métier, de l'argent et mes mains tremblent. Voici le chemin des glaces. Est-ce que j'ai peur de ces lettres? La réponse est oui. Mais ces boîtes-là sont vides. Je sais bien qu'elles sont vides, Martha, ces boîtes. Je sais bien qu'elles sont vides. Elles étaient pleines, et maintenant elles sont vides. Martha? Monsieur? Quel jour sommes-nous? Mai. Le 13, monsieur. Le 13. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je place ces lettres avec les autres? Ne touchez pas ces lettres. 30 fois, je vous l'ai dit. Ne touchez aucun papier, d'ailleurs. Merde, alors! Ne touchez plus rien, là! Rien! T'as jamais vu un lecteur aussi prolixe, aussi régulier dans ses envois? Ça va faire 3 mois qu'il m'écrit tous les 15 jours, sans rien me demander, d'ailleurs. Je sais même pas s'il s'agit d'un admirateur. Pour sûr que c'est un admirateur, monsieur. Comment le savez-vous? Vous les avez lus? Mais non. Vous savez bien que non. Vous avez l'air inquiet ce matin, monsieur. J'ai besoin de votre aide, Martha. Vous devriez d'abord finir votre petit déjeuner, monsieur. Non, je n'ai pas le temps. Prenez ces enveloppes et relevez les cachets de la poste. Je veux savoir où se balade cet énergumène. Et je me fous complètement du petit déjeuner. Feriez mieux de sortir un peu, monsieur. Il fait si beau aujourd'hui. Martha! Pardon, monsieur. Vous voulez le colutoire? Venez un peu ici. J'ai trouvé un nouveau jeu. On va compter les cadavres dans mes romans. Comment? Les cadavres, mes cadavres. C'est drôle, non? Venez, on va les compter. Mais monsieur, enfin... Combien pour vous, Martha? 45, monsieur. Il va falloir que je parte. Oui, oui. Moi, 28, ce qui nous fait déjà 73. Oh là, vous y avez été un peu fort. 15 en un seul hiver. Non. Si. Faites voir. Tueur de l'hiver. Au moins 30 ans, celui-là. Thank you.
Merci. Monsieur, il est presque midi. Je vous prépare quelque chose. Oui, s'il vous plaît. De vous maintenant. Notre rencontre semble désormais inévitable et j'ose espérer que vous ne serez pas déçus. Encore quelques jours de patience. Je vous serre la main, j'en prie. Téléphonez immédiatement à la gendarmerie. Prenez-moi un rendez-vous. Pourquoi, monsieur, vous allez le voir bientôt, cet énergumène? Vous serez fixé? Téléphonez, je vous dis! Non, arrêtez. J'y vais tout de suite. Mettez au moins votre veste. Spirale. Comment vous dites, monsieur, une spirale? Oui, Martha. Une spirale dont la course inexorablement, implacablement conduit à moi. Nous sommes là. Vous croyez vraiment, monsieur? On peut faire n'importe quoi avec ces ronds. Je vais vous faire un thé. Oui, s'il vous plaît, Martha. Avant de vous en aller. Heure, Martha, je serai là pour le thé. Oui, oui, ça vous fera du bien. Jamais à l'école, cela. Dans la troupe, y'a pas de genre de voix. Alléluia, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, je crois, c'est la nôtre. C'est de mettre un pied dans l'autre et recommencer. Bonjour, monsieur Fermier, monsieur. Oui, bonjour, bonjour. Maman, on a que 7 ans, 8 ans devant nos enfants qui n'a qu'à l'air.
tueur de l'hiver. Quel titre à la mort moelleux. Ah, et en plus, il assassine son propre père. Il fallait que je sois dans un drôle d'état pour écrire une histoire pareille. Il faut que je parte maintenant, monsieur. Bien sûr, Martha, bien sûr. Dites-moi si le policier est toujours devant la maison. Oui, oui, il est là, monsieur. Bon, très bien. Alors, à demain, Martha. Et merci pour votre aide. Ah non, monsieur. À lundi. Nous sommes vendredi, et mon fils... Oui, je sais, je sais. Le fils est de retour, le cher fils. Moi, je n'ai besoin de rien. John Purcell était mauvais, tellement mauvais qu'aucun esprit humain n'aurait pu imaginer qu'il mette ses menaces à exécution. Et pourtant, cet hiver-là, avant d'être abattu par le commissaire Schnabel, il exécuta encore 15 malheureux dans des conditions abominables. John Purcell. John Purcell. J.P. C'est pas possible. J.P. J.P. C'est incroyable ce qu'il peut faire froid pour un mois d'août. Chef, je vous ai app... Commissaire! Commissaire Wolff!